c'est juste pour vous dire. Alors non, je ne vous ai pas oublié, non, je ne vous ai pas abandonné, juste que j'ai été très très fatiguée, j'ai eu plein de choses à faire importantes aussi. Et donc, ce qui fait que là, ça fait 6 jours, je suis sur le 7e jour sans avoir publié. Donc je me suis dit, je vais faire un juste pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Je vais vous montrer le ciel que nous avons. Regardez-moi ça, c'est tout simplement magnifique. Hop. Alors je suis avec Coco et Chanel, je leur fais profiter du meilleur du soleil le matin de bonne heure, comme ça, où il fait bon, il fait pas froid, il n'y a pas de courant d'air, parce qu'aujourd'hui ils annoncent plus de 30 degrés, donc ça va être chaud. Alors, je prends mon café dehors. Alors, juste pour vous dire, j'ai pris mes notes. Hein. Donc déjà, bébé, oui, mais je m'excuse pour ce retard. Quoi, hein. Je vous l'avais dit, il peut arriver des fois où je suis fatiguée, où j'ai eu des choses importantes à faire qui m'ont fatiguée. Donc, j'étais obligée de me reposer un petit peu. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas sans rien faire. Donc, aujourd'hui, comme il va faire très chaud, je vais rester au frais, enfermée dans l'appart. Là, pour l'instant, la fraîcheur passe parce que c'est à l'ombre. Et puis ensuite, je vais tout fermer et je vais d'ores et déjà m'occuper aussi de finir la petite veste et de vous l'enregistrer. Et on va très certainement démarrer, comme c'est normalement la semaine, je suis un petit peu décalée, un petit peu en retard. C'est la semaine de bricot, déco et un peu peinture. Donc je vais essayer d'enchaîner tout ça aujourd'hui puisque je vais devoir rester fermée, il va faire trop chaud. Donc voilà pour les tournages que je vais faire aujourd'hui. Donc vous les aurez d'ici au pire demain ou après-demain. Ça dépendra de la connexion internet et de la vitesse à laquelle ça va passer chez YouTube. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, la plupart d'entre vous, ben, vous ne le connaissez pas, hein, mais j'ai mon dernier enfant, mon petit garçon, c'est son anniversaire et il fête 24 ans. Alors, bon anniversaire à Nicolas, 24 ans. Mon Dieu, le dernier fait 24 ans. Imaginez les trois autres avant. Voilà, donc je suis super contente. Pour ça, c'est une journée un peu particulière pour moi. Voilà. Et ça lance un sujet. Ça lance un sujet pour les mamans comme ça, comme moi, même les jeunes. Hein. Le temps qui passe vite. Le temps que l'on ne voit pas passer. Mon petit dernier a 24 ans. L'aîné a plus de 30 ans. Les deux du milieu, c'est pareil, 28 et 29 ans. Un peu plus, 29 ans et demi. Donc un sujet lancé à toutes les mamans, le temps qui passe, de ne pas voir ses enfants grandir, de les voir devenir parents, quel est votre ressenti là-dessus? Ouais, c'est vrai, hein? On est contents nous là. Ouh, qu'est-ce qu'on ouvre les ailes, c'est bien Coco, ouais. Donc voilà, c'est un sujet à traiter. Un sujet qui en dit long, hein, les enfants qui partent, enfin, ou les parents aussi qui partaient, on peut être amené à habiter un peu plus loin que ses enfants, pas les voir souvent, donc on les voit encore moins vieillir, moins grandir. Les petits-enfants qui arrivent, voilà, le sujet de la famille, et pour les parents, le temps qui passe, ce temps qu'on ne voit pas passer. Et on ne va pas se chamailler en public quand même. Quand même, ben oui, on dit bonjour aux amis, on ne se chamaille pas, parce qu'après vous allez être à l'ombre toute la journée, profitez-en, oui. Donc pour ceux qui ont des pioux comme ça, vous remarquerez que là j'ai pas mis de serviette parce que c'est encore de bonne heure ce matin, donc je veux qu'ils profitent un peu de ce soleil. Tant que moi j'ai pas trop chaud, ça va.
logiquement, comme dit Benny, si moi j'ai chaud, eux aussi. Donc là, c'est bon, ils s'éclatent. Ils s'éclatent, donc ils n'ont pas trop chaud, ils sont même contents. Voilà le juste pour vous dire. Donc aujourd'hui, eh bien voilà, je vais rester à m'occuper de finir la petite veste dont il n'y a pas grand-chose, il n'y a que l'encolure. Et puis le devant qui sera très simple. Je ne sais pas si je vais faire avec des pressions, je ne sais pas. Je vais voir avec quoi je vais faire comment je vais faire la fermeture du devant. Parce que je n'ai pas de fermeture à glissière pour veste réversible. Ça aurait été sympa, mais je n'ai pas. Donc on fait avec ce qu'on a, souvenez-vous, on récupère et on fait avec ce qu'on a. Et donc la petite veste, et puis ensuite on va entamer la restauration du petit fauteuil. Ce fauteuil dont je vous ai montré, qui a les accoudoirs très abîmés, c'est pas un bois que l'on peut poncer, donc on va essayer de recouvrir ça tranquillement. Voilà. Je vous laisse 2 minutes avec Coco, et puis je m'en vais vite après mon café. Me mettre au travail. Bisous, bye bye. Oui, dis bonjour. On dit bonjour. Oui. Canaille. Alors là, ils entendent les copains de dehors. Ils s'appellent, ils adorent ça. Je vais quand même mettre une serviette sur un coin. Mais ils n'ont pas l'air d'être affolés du tout pour... Non. Oh, si on pouvait sortir, aller voir les copains, ça serait chouette, hein, Coco. Ah ouais, ça serait chouette, hein. Allez, hop, hop. Oh ouais, ça serait chouette. Oh ouais. Allez, je vous laisse. Il y a du boulot. Bisous, bisous.